Et salut à tous et bienvenue pour ce 14e épisode dans ma bonne compagnie. Alors donc j'ai fait tout plein de recherches, hein. J'ai trouvé même des planètes avec de l'élément noir, ou l'élément zéro, ou je ne sais plus comment qu'ils s'appellent. L'élément zéro, c'est ça. Alors l'entraînement avancé, en fait vous avez vu qu'avec Zaïd j'ai débloqué une de ses capacités qui était de lancer des grenades incendiaires. Mais en fait voilà, entraînement avancé ça permet d'avoir des compétences des copains. Pour nous. Donc chaque nouveau coéquipier loyal augmente le nombre de pouvoirs disponibles pour Shepard. Donc apparemment, Zed nous serait loyal. On verra. En tout cas, n'empêche que voilà, j'ai eu mon truc. Donc voilà, je suis à un bloc d'iridium, à un bloc de palladium. Donc voilà, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Sauf que bah, ce que j'ai pas encore. J'ai même pris donc le fusil à pompe du nouveau Gurt, je sais plus comment il s'appelle. Et en fouillant de planète, donc j'ai vu que bah, y avait un signal de détresse qu'on va aller se dépêcher de faire. Là, voilà. Et on va atterrir. Donc voilà, j'ai vraiment été très surpris, j'ai trouvé deux planètes dans ce même système là, hein. Deux planètes avec l'élément zéro et pas qu'un peu. Ah ben heureusement que c'était là parce que sinon j'étais pas prêt de faire le truc. Donc tu t'appelles Grunt, voilà Grunt. Alors toi je t'ajoute et toi je t'ajoute. Accepté. Alors, tu as deux points. Voilà, donc ça c'est le nouveau truc. Nécessite incinération rang 2? Pourquoi incinération? Ça c'est bon ça! Alors qu'est-ce que la Miranda? Elle a rien? Toi tu as rien intéressant, tu en as que 2. Il m'en faudrait au moins 4. Donc les armes du commando. Alors, Shepard. Ça déjà, on va le changer. On a le beau lance-missile. Donc le cryo machin, le lance-patate ou le projecteur arc. On va prendre le cryo machin. Voilà. Faut le tester un peu quand même. Donc ça, c'est l'arme secondaire. Là, ça va. Garus, qu'est-ce qu'il peut prendre? Toujours la même chose. Et Miranda, qu'est-ce qu'elle peut prendre? Toujours la même chose aussi. Voilà, ça c'est réglé. Moi j'escale bien parce qu'apparemment on atterrit à côté des épaves. Hein, on se retrouve pas à fouiller devant toute la planète pour trouver une épave à la fin. Le son est hyper fort. Ah, j'ai presque failli devenir sourd. Tempête de sable en approche au nord-est. Prudence recommandée. Alors, salle des machines. Dégâts catastrophiques au réacteur primaire et secondaire. Niveau critique d'éléments 0, multiple fuite de carburant à la salle des machines. Contrôle IV verrouillé. À 7h. Intégrité 100%, aucune brèche détectée. Quand même un peu, hein. J'ai bien fait de fouiller un peu. Tiens, c'est juste derrière le vaisseau. Le premier truc qu'on se dit, c'est d'avancer. Donc, du coup, non, il fallait juste donner un petit coup en arrière pour voir un petit bout de palladium. Bon, c'est pas ce qui me manque, hein, comme minéraux. Ok, c'est surtout
Le palladium et l'iridium que j'ai à fond. Le platine, c'est vrai que ça reste assez rare. Enfin, moyennement rare, on va dire. Après, ce qui est vraiment rare, c'est les diamants zéro. J'ai cru que c'était des munitions. Attention, attention. Collision imminente. Système endommagé. Dirigez-vous vers les modules d'évacuation. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Le truc de palladium, il est où? Ah, il est là. Heureusement qu'il nous le capte d'assez loin quand même, parce que putain, pour le trouver, des trucs, hein. Sérieux, quoi. On va prendre le petit pistolet lourd. Ah, carrément. Vous feriez bien d'aller vérifier. Et donc? Par où je passe pour... Mais c'est quoi ce poung qu'on entend là? Transmetteur de... Ah putain, c'est ça. Ennemi détecté à proximité de votre position. Extraction immédiate recommandée. Éviter d'y aller trop labourin quand même, hein. Oula. Ah ben on va en profiter pour utiliser notre nouvelle arme. Non, c'est ce que je veux. Évident. Attention.
pas tout compris, ouais. J'ai pas compris l'intérêt de cette mission, en fait. Peut-être qu'on le saura plus tard, parce que ça va être... Ça va découler, vu qu'on a fait la mission, ça va découler sur autre chose dans la principale, je sais pas. Mais là, comme ça, franchement, je vois pas l'intérêt. Alors, bon, ça c'est fait. Maintenant, que nous reste-t-il à faire? On n'était pas censé être sur cette planète-là. Pourquoi je respawn sur un mur? Alors, le truc est à 61%. Ah, parce que j'ai pas fait relique, tiens. Bon, je vais pas scanner en proprement parler, hein. Je vais juste scanner au cas où qu'il y a une anomalie qui soit détectée. Et après, je viendrai scanner de mon côté hors vidéo, évidemment. Ah! Bon, en tout cas, ça fait deux planètes abondantes et une modérée. Et deux modérées. Ah, encore ce petit bout là. Oula, et même le gros bout là derrière. Abondant aussi. Putain, je vais pouvoir m'amuser dans ce secteur là. Oula, encore une, mais dis donc. Ça en fait de la planète abondante là. C'est bon ça. Ça va m'en faire gaspiller du. Explorer la station abandonnée. Tiens. Ça. Ah, ici. À 50%. On va en acheter. C'est bien que pendant le temps de chargement, ils font le chargement, enfin le semblant de d'amarrage. Parce que là, rien de nouveau, hein, j'ai envie de dire. Ça me fait rire à quel point ils ont voulu jouer sur son sexe à pile à elle, quoi. Elle a même pas un masque, non, elle a juste un demi-masque et en plus transparent. Histoire qu'on puisse bien la voir. Bien la trouver sexy. Alors, sûrement qu'on sait tous les systèmes ont été désactivés sauf le système de survie extrême. Ça empêchera peut-être Lily d'obtenir les ressources dont elle a besoin pour nous tuer. Cette solution n'est que temporaire, on s'en sortira pas seul. Alors, apparemment, on arrive un peu trop tard. Welcome, please proceed to the processing. Baie d'amarrage sous tension. Les intrus sont priés de se diriger vers la soute pour retrait immédiat de la station. Intrus détecté. Vous n'êtes pas
autorisé à pénétrer dans cette zone. On va faire un petit coup de sauvegarde parce que pour plus que je vais à la soute, que je me fasse éjecter, il n'y a pas loin. Zone scientifique sous tension. Laser activé. Zone de test verrouillée conformément au protocole M29-2. Prototype d'armure miroir repositionné. Oh merde! Parce qu'en fait c'est ça, qu'il faut que ça tire au travers. Prototype d'armure miroir repositionné. Ah ta gueule, il vit de merde. En même temps, je sais même pas où ça doit tirer en fait, hein. Prototype d'armure miroir repositionné. Prototype d'armure miroir repositionné. Zone de test déverrouillée. Non, totalement au pif. Veuillez quitter cette station immédiatement. Mais ça fonctionne. Je pense que Lily est devenue complètement obsédée par les risques d'infection. Sa folie meurtrière actuelle est très certainement due à un sentiment de peur exacerbé qui, pour le fait qu'on puisse tenter de la désactiver. Elle se comporte ainsi parce qu'elle est persuadée que notre équipement a été infecté par une sorte de virus. Si nous continuons à essayer de la désactiver, elle n'aura de cesse que d'essayer à son tour de nous éliminer. La meilleure chose à faire est donc peut-être de ne rien faire pour la combattre, mais de tenter de la convaincre que notre présence n'est pas une menace. C'est pas con. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Nous attendons la livraison d'une cargaison de pièces de méca de l'usine Hanek Kedar de Capek, à Skin Nébuleuse du Titan. Assurez-vous que Livy sache qu'elle doit accepter la demande d'amarrage de MSV Corsica. Corsica, cool. Une porte déverrouillée. Trois portes déverrouillées. Ben voilà. Ah non, ça ne suffit pas. Deux portes déverrouillées. Toutes les portes sont verrouillées. Ah merde. Je croyais que toutes les portes étaient déverrouillées. Deux portes déverrouillées. Une porte déverrouillée. Trois portes déverrouillées. Ah mais ça m'ouvre pas la bonne. Voilà, bingo. Après on aura dit aux autres que c'est pas bien de piller les morts, hein. En plus ça juste pour récupérer de l'or, ah bah putain. Y'a de la monnaie. Sont priés de quitter la station immédiatement.
forte probabilité de blessure ou de mort en cas de tentative d'accès aux commandes de maintenance. Bon, mes collègues sont juste fait un peu défoncer la gueule. Échec des tentatives de décontamination de la station. Puissance supplémentaire nécessaire. Zone de maintenance sous tension. Donc là, on est au-dessus du vestiaire en fait, apparemment. Je sais pas. Je sais pas pourquoi elle m'a sorti là. Ils m'ont sorti l'arme, mais. Ah ah! Si on reste appuyé sur M. Bon, par contre, c'est un peu difficile de rester appuyé sur M et de bouger en même temps, mais. Voilà, on a le minimap quand même. J'ai découvert que nos problèmes d'IV avaient commencé juste après que le Corsica nous ait amarré. Talessine est en train de voir s'il est possible de réparer l'IV. En attendant, je vais vous demander d'étudier les registres et répertorier tout ce qui se trouvait sur ce vaisseau. Alors, excusez-moi, je vais mettre le téléphone juste un peu en silencieux parce que les collègues ont décidé de parler. Voilà. Encore une mission où j'ai pas tout compris, hein. S'ils veulent, s'ils le disent. Bon, ben voilà. Pas tout compris l'intérêt de la manœuvre, mais en tout cas c'est fait. Je vais changer de système. Et du coup, relique il est à 100% alors que j'ai pas du tout à scanner les planètes plus que ça, quoi. Donc faut que j'y pense à y aller à la fin de l'épisode. Alors, on va aller... Mais c'est quand même des munitions Fakir. Ouais, je m'amuse à faire d'abord tout ce qui est secondaire, hein, parce qu'après là, apparemment, c'est le dernier membre d'équipage pour l'instant de la mission principale à faire, donc... Donc là, pareil, pour les planètes, hein, je le ferai hors vie à vidéo. Ça va en faire, hein. Les planètes à fouiller. Anomalie détectée. Lancement d'une sonde. Quelque chose est apparu sur nos capteurs.
Voilà, maintenant on se sert du nouveau petit vaisseau. C'est carrément beaucoup plus pratique et plus c'est sympa. Enfin, au moins on peut le conduire en tout cas. Parce que l'autre, de toute façon, il nous dépose et puis c'est tout quoi. Alors, on change pas l'équipe qui gagne. Ah, on retrouve notre bon vieux Get. Scan des objectifs de mission en cours. Objectif de mission localisé. Ça m'a l'air d'être plus ou moins d'être chercheuse quand même. Donc vous avez trouvé 0 artefact sur 5. J'aurais plus mis le boost sur mage et, et le saut sur espace quand même. Et là c'est l'inverse en fait, c'est pour ça que je suis un peu... Je reste quelque peu à tatillon dessus quoi. Oui, c'est une bonne caravanture en fait, cette connerie là. Ouais, c'est plus ou moins ta chercheuse, hein, en effet, les missiles, vu comment ils tournent. Par contre, on n'a pas de santé pour pouvoir en parler. Donc c'est un peu dommage pour savoir si on est en bonne santé ou pas. Ah, par contre, il y a une certaine portée quand même là. Il y a... Le fait que ça verrouille. Et on peut pas sauvegarder la mission. Lui aussi, par contre, ils ont pu chercher là. Hein. Hop là. Ah, je peux pas sauvegarder là. Pourtant là, il n'y a pas de combat. Hein. Je sais pas si cette alarme, c'est parce que je tire comme un gros bourrin, donc du coup ça veut dire que ça va manquer de missiles ou... C'est juste parce que je suis en train d'attaquer, donc du coup c'est les guettes qui déclenchent leur alarme.
pas monter aussi haut. Ah. C'est ça le mauvais rebond que j'ai fait. Je sais pas si c'est vraiment par là qu'il faut aller. Ah! Ah ouais, c'est bien, t'es chercheur de leur truc, hein? Putain, les virages qu'il a pris, dis donc! Bon, mais elles promettent toutes de pas être super intéressantes, les missions Fakir. Hein. Hop là, on va se calmer un peu. L'intégrité de la coque compromise. Veuillez sortir le véhicule de l'acide. Pas l'acide, là. Ah, en fait, le 8-8, c'est par rapport aux dégâts que je me prends. D'accord. Putain, c'est chaud, hein. Attention, force guette détectée. Oula, 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 j'en fais tout, et. Je sens que je vais bien m'amuser sur ce genre de mission. Ah, parce qu'en plus je dois tout recommencer. Ça, c'est bon, ça aussi, hein? Putain! Scan des objectifs de mission en cours. C'est vrai qu'on n'a même pas de santé visible sur ce putain de vaisseau. Je sens que je préfère largement le Mako, hein, bizarrement. Ça me fait de pouvoir viser avec le Mako déjà. Là on peut viser mes couilles. Il a réussi à m'avoir même comme ça et... Ah ben il reste 2 secondes, mais comme ça moi... Voilà, on essaie de se finir cette vidéo, cette mission là, parce que je vais pas la recommencer 15 fois. Hein. Et ce sera donc la fin de l'épisode. Attention, force guette détectée.
Ouais! Bravo! Bon, eh ben voilà, c'est sur ce crash de jeu que l'épisode prend fin. Donc j'espère que ça vous aura tout de même assez plu. Je trouve que l'émission était quand même assez fade en soi. Mais bon, pas le choix. Donc vous savez ce qui vous attend pour le prochain épisode, hein. Ça va être les trois missions qu'on a à faire là-dessus, hein. Et puis, n'hésitez pas tout de même à commenter, liker, vous abonner et partager. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et ciao tout le monde, et amusez-vous bien!